amendements limités, sans doute, à l'avenir, le vote bloqué aussi. L'opposition est-elle muselée? Prononcez-vous sur cette question. C'est ce projet qui a mis le feu aux poudres, en tout cas parmi les parlementaires. Celui donc de limiter le droit d'amendement, une limitation inattendue qui s'invite dans la réforme des institutions que veut Emmanuel Macron. C'est un peu technique, mais ça fait bondir. On écoute André Chassaigne, député communiste. Il était ce matin sur LCP. Le président de la République, lui, a cette volonté d'aller au maximum de ce que permet la Ve République, et non seulement de modifier dans un sens plus démocratique la Ve République, mais au contraire de conforter une hyper-présidentialisation, un pouvoir d'exécutif qui va tout écraser. Le sens de ce qui est proposé aujourd'hui, c'est ça. Il y a du sens derrière tout ça. Faire en sorte qu'on limite le nombre d'amendements en fonction de l'importance du groupe parlementaire. Mais où on va ? Olivier Duhamel, c'est si grave ? Après tout, c'est un gage d'efficacité ? Je pense que limiter le droit d'amendement est particulièrement accordé à des groupes parlementaires un nombre d'amendements en fonction de leur poids, je pense que c'est une mesure antidémocratique et absolument anormale. À la limite, il faudrait presque l'inverse. L'amendement est le droit principal du parlementaire. Le rôle le plus important du parlementaire aujourd'hui, c'est l'amendement dans notre Ve République très présidentialisée. Donc c'est assez curieux de prendre une mesure, d'annoncer, de vouloir une mesure de ce type. Ce qu'on pourrait faire il y a des toutes petites choses à faire sur le droit d'amendement. On pourrait interdire les amendements répétitifs, par exemple. C'est-à-dire quand on perd du temps avec des milliers d'amendements qui disent la même chose, on devrait dire, non, on ne peut pas présenter 800 fois le même amendement dans un souci d'obstruction. Mais au-delà de ça, je suis très hostile à ça et je suis un peu surpris qu'à un moment où il veut apparaître comme quelqu'un qui est moderne et qui fait progresser les choses, et où par ailleurs, à travers le monde, partout, vous avez des restrictions de la démocratie. Chacun dans son genre, que ce soit en Chine, soit en Turquie, que ce soit en Russie, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Pologne, c'est ça, de prendre une mesure qui se range, même si elle est beaucoup plus circonscrite, dans cette catégorie. Les Français, Jérôme Jaffray, vont être favorables. On va voir le sondage qui est publié demain dans le Figaro, qui porte plus largement sur la réforme des institutions. C'est une approbation massive. On voit les résultats s'afficher. 82% qui jugent personnes interrogées qui jugent que la réforme institutionnelle est utile, et sur toutes les mesures détaillées, la réduction d'un tiers du nombre des parlementaires, la limitation à 3 du nombre de mandats consécutifs, et bien là aussi, approbation massive. – Oui, mais vous remarquerez que ce sondage, il ne porte pas sur la question du droit d'amendement et des droits du Parlement et de l'existence de débats. Si Sarkozy avait proposé une mesure pareille dans la réforme de 2008 qui avait été adoptée à l'époque, on l'aurait carrément traité de dictateur, à peu près. C'est donc quelque chose d'inimaginable ce qui est en train de se passer. Tous les parlementaires seront vent debout sur cette mesure dès lors qu'ils ont une vraie conception de ce qu'est un Parlement. Le Parlement, d'abord, chaque parlementaire a les mêmes droits dans l'examen d'un texte de loi, ce qui veut dire que même si le texte a été adopté en commission, même si des amendements ont été examinés en commission, des députés qui ne participent pas à la commission ont le droit d'intervenir dans le débat. Sinon, il n'y a plus d'égalité entre les parlementaires. C'est quelque chose de gravissime. Là, je dois dire que je suis stupéfait. Je pense que c'est la muleta qui est agitée pour que le pouvoir retire cette mesure à un moment donné en disant la preuve que nous vous écoutons. C'est comme l'histoire des petites lignes avec la réforme de la SNCF. Ça devient l'heure un peu systématique du pouvoir qui, en principe, ne devrait plus tromper personne. Même analyse, Alexis, c'est un leurre qu'on agite pour mieux se faire passer la réforme globale ? Ça serait l'explication rationnelle, mais souvent politique. Et rassurante. Mais souvent politique, quand on hésite entre deux explications, une qui est le n'importe quoi et l'autre qui est le subtil calcul, l'expérience montre que c'est généralement le n'importe quoi. Pas toujours, mais quand même majoritairement. Et là, j'avoue que c'est incompréhensible. Pour toutes les raisons de fond que vous avez dit l'un et l'autre, évidemment. Enfin, dire que plus on est gros, donc plus on est dans la majorité, plus on a le droit de faire des amendements. Parce qu'on rappelle... c'est absurde. Bon, le nombre d'amendements serait proportionnel à la représentation des groupes. Que le gouvernement et Macron sont engagés dans une bataille qui n'est quand même pas facile, qui est celle de cette réforme institutionnelle, dans laquelle il leur faudrait l'accord du Parlement et notamment du Sénat. Parce que passer outre l'accord du Sénat, elle est soutenue par l'opinion. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas soutenue du tout par le Sénat. Donc il faudrait, au contraire, essayer de les amadouer, de leur passer la main de leur dos, de leur trouver les cajoler. Et là, non seulement
il ne trouve pas un moyen de cajoler le Sénat, mais on rajoute une provocation qui n'a... qui n'est pas dans le texte de la réforme elle-même, c'est tout à fait autre chose. C'est le règlement de l'Assemblée. Apparemment, c'est une proposition de François de Rugy, alors, dont on dit, mais c'est Ferrand qui le voulait, ils en ont assez, ça dure trop longtemps, ils en ont marre de toutes ces... Ils ont un calendrier extrêmement chargé. Mais rajouter ça au moment où on a besoin d'amadouer des gens pour leur vendre autre chose, ça me paraît absurde. Permettez-moi juste de vous rassurer sur un point. Si ça n'était pas dans la réforme constitutionnelle, mais dans une réforme du règlement, ça ne sera pas. Le Conseil constitutionnel a un contrôle obligatoire des règlements des assemblées et je ne le vois pas laissant passer une disposition de ce type. Bon, vous prenez le... Attention, on vous réinterrogera là-dessus. Bah, sinon, vous ne m'invitez pas, mais là, ça va. Caroline Michel, je vous donne la parole dans un instant. Je donne juste quelques réactions. Celle d'Annick qui nous dit « Édouard Philippe doit s'accrocher, aller jusqu'au bout. Une réforme comme celle-ci était attendue depuis des années et personne n'osait la faire. » C'est l'avis d'Annick. Et Annie, elle, alors non, c'est donc Annick et Annie, « Si on réduit d'un tiers le nombre de députés, à quoi serviront-ils » Caroline Michel. Oui, je crois qu'on comprend dans aucune manière la crispation actuelle si on ne la replace pas dans l'énorme bataille qui est en train de se faire entre l'exécutif et le législatif. Les Français sont pour, on vient de le voir majoritairement, ce renouvellement de leur point de vue de la vie démocratique, moins de députés, moins longtemps, ils ne veulent plus de barons, on a compris. Les sénateurs n'en veulent pas et sont devenus le seul lieu aujourd'hui où s'exprime l'opposition. Gérard Larcher, avec beaucoup de plaisir, a endossé ce rôle et on voit même aujourd'hui les sénateurs de droite se crisper sur une proposition des communistes sur les retraites agricoles. Enfin, c'est un peu technique, mais on voit bien aujourd'hui que le pôle d'opposition principal s'exprime non seulement au Sénat, mais sur cette question de réforme constitutionnelle et de changement des institutions. Et tous ces sujets-là ne deviendraient pas, il me semble, aussi explosifs s'il n'y avait pas ça en filigrane et le bras de fer entre l'exécutif et le législatif, l'exécutif disant « mais écoutez, on a été élus là-dessus, on a un mandat, voyez les sondages, les Français sont pour, simplifiez, etc. » Et de fait, juste pour terminer, l'hyper-présidentialisation de notre démocratie date d'il y a 10 ans et de l'alignement des quinquennats. Ça ne fait qu'aggraver ou renforcer ce chemin-là. Oui, mais en même temps, cet affrontement exécutif, il n'a pas lieu d'être. Macron, il a une chance incroyable, par rapport à Hollande, qui était contesté dans sa majorité. Il a une majorité pléthorique. Mais il n'a rien pu faire, Mais oui, non, mais justement, mais là, aujourd'hui, Macron, il a une majorité pléthorique, unie, où personne ne le conteste, il n'a pas d'opposition interne. Il a juste un truc qu'il faut supporter, c'est que le Sénat puisse un peu ralentir les choses. Ce n'est pas le bout du monde. Il y a pas de, il a des pouvoirs comme personne, aucun président avant lui, depuis bien longtemps. Donc, là, il faut encore qu'il en rajoute, ça me paraît politiquement absurde. Alors, par ailleurs, je sais que la connaissance de l'histoire est en voie de disparition, mais quand même, une des choses qu'on connaît, c'est que la grande difficulté, même pour tout président de la République, c'est de faire une révision constitutionnelle. Le général de Gaulle est tombé sur une révision constitutionnelle, Georges Pompidou a dû renoncer au quinquennat parce qu'il n'arrivait pas à l'imposer même à sa majorité, François Hollande a dû renoncer sur le Conseil supérieur de la magistrature et autres. Et donc, on sait ça par avance, que c'est une des choses les plus difficiles qui soient, de faire aboutir une révision constitutionnelle. Nicolas Sarkozy n'y était arrivé que grâce à Michel Charras et Jack Lang, ce qui fait qu'on ne sait pas lequel des deux. Donc, il a fallu les deux. Il avait donc Olivier Duhamel, oui. La conclusion, c'est que ça serait une erreur de vouloir faire un référendum sur la réforme institutionnelle. The answer is no. What's the question? Disait Woody Allen. Vous référendum nous rappeliez fort justement. Il y a tous les Suisses qui votent correctement des référendums. Généralement, mais pas les référendums sont des pièges pour le pouvoir en place. Pour une raison très simple, c'est que c'est une agrégation des oppositions sans conséquence. Ça ne coûte rien. Vous avez appelé voter correctement. Vous avez dit qu'il n'y a que les Suisses qui votent correctement. Non, non. Je pense que le Suisse est le seul peuple qui est capable, par exemple, comme il l'a fait il y a quelques jours, de voter contre la suppression de la redevance qui, chez eux, est très chère. Je pense qu'il n'y a pas un peuple au monde, à part les Suisses, pour voter contre la suppression d'une redevance qui paye 3 fois ou 2 fois ce qu'on paye nous. D'accord. On va écouter, vous y faisiez allusion à François de Rugy et des manœuvres politiciennes ou non. Jack Lang en a parlé ce matin, c'était sur Europe 1, on l'écoute.
l'actuel président de l'Assemblée nationale, oui, François de Rugy, est fort mal placé, au fond, pour soutenir ce type d'initiative. Il a voté contre la réforme. Il a voté contre la réforme. Comme tous les autres parlementaires de gauche. Comme tous les parlementaires de gauche, sauf moi, en effet. J'en suis, je répète, heureux et fier. Et à l'époque, il disait, mais la réforme Sarkozy va contraindre le Parlement, ce qui était exactement le contraire. Et aujourd'hui, on nous annonce des mesures que je n'ai pas bien comprises encore, visant à améliorer le fonctionnement du Parlement. Il a une mémoire politique, Jack Lang. Oh, ça, il n'en manque pas, vous avez raison. Il a effectivement joué un rôle décisif dans l'adoption de la révision constitutionnelle de 2008, Nicolas Sarkozy. Dont maintenant, François de Rugy explique par exemple que son grand regret est de ne pas l'avoir voté à l'époque. Évidemment, Jack Lang, quand il entend ça, c'est un grand bonheur. Mais au-delà de ça, si vous voulez, la question quand même des débats parlementaires et du fait qu'un texte puisse être examiné à fond, sérieusement, c'est un thème sur lequel l'opposition pourrait convaincre les Français. Les oppositions pourraient convaincre les Français. Par exemple, il a été énormément reproché à Manuel Valls et à François Hollande l'usage du 49-3 qui bloquait la discussion lors de la loi travail d'El Khomri. L'usage des ordonnances aujourd'hui commence à créer problème. On est donc dans une situation où si vous dites vous tuez le débat et vous allez au référendum en pouvant accuser le pouvoir d'aller jusqu'au bout et jusqu'à l'excès de son propre pouvoir, c'est un vrai thème qui fait que même le recours au référendum deviendrait un risque extrêmement sérieux. Donc je ne comprends vraiment pas, sauf que c'est la muleta qu'on agite pour pouvoir très vite dire mais non, c'est mal compris, même vous donner tragique erreur. Un néologisme pour répondre à votre question du référendum. Le néologisme, c'est la renzification. Parce que Matteo Renzi était extraordinairement populaire, jeune, nouveau, un petit Macron italien. Et puis, il fait un référendum constitutionnel. A priori, au départ, les gens sont d'accord et trouvent ça très bien. Et il s'en prend plein la figure. La rédification, c'est la destruction rapide d'une nouvelle star politique. Vous déposez les droits, Olivier Dussopt. L'erreur de Renzi, c'est d'avoir dit « si je perds, je m'en vais ». Alors, Macron, s'il fait un référendum, à mon avis, il ne dira pas « si je perds, je m'en vais ». Caroline Michel, vous complétez. Je suis d'accord globalement, mais on ne peut quand même pas faire comme si un certain nombre de députés peut-être c'est leur seul moyen d'expression, mais la présentation d'amendements à répétition, pas dans une démarche constructive, mais dans une seule démarche de blocage, de ralentissement. Alors ils répondent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Mais néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas prendre en compte, moi j'aimais bien votre proposition, d'empêcher la proposition de présentation sans compter les amendements qui n'ont rien à voir avec la loi. Il y a quand même il vient de Jean-Louis Debray avec son stock d'amendements qui dépassait. Il y a déjà des mécanismes qui permettent effectivement de traiter par pile un certain nombre d'amendements quand ils se ressemblent trop. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Mais c'est quand même dommage d'en être réduit. Les députés eux-mêmes disent qu'ils arrivent en commission. Il n'y a pas de possibilité pour les parlementaires. Il n'y a pas de possibilité pour les parlementaires de bloquer le système. Le truc du filibustering à l'américaine où jamais un système. Il y a plein de garde-fous et de freins qui font que ça dure un peu plus longtemps que prévu, c'est pas la mort. Ça fonctionnait hyper bien. Si vous discutez avec les députés aujourd'hui, ils vous disent eux-mêmes, surtout que beaucoup sont débutants, qu'ils arrivent, ils ont des piles de trucs, ils n'ont même pas eu le temps de lire, c'est des sujets qu'ils connaissent pas. En disant de déposer des amendements que ça va aller mieux. Non, mais c'est pas en disant tout est bien comme ça qu'on améliore le système. Ce qui est une des choses les plus choquantes, c'est qu'on dise que chaque groupe aura un droit d'amendement à proportion de sa puissance. Nous avons le scrutin majoritaire en France. Il écrase les petites formations. Il les écrase. Et alors, vous voudriez bâtir un deuxième système là-dessus dans lequel on écrase ces petits groupes en écrasant leurs droits d'amendement. C'est-à-dire, vous n'accusez pas Caroline Michel d'être dictatoriale. Sauf qu'en gros, vous défendez quand même plutôt dans notre discussion. Vous n'avez pas écouté. Vous avez dit elle tue une Caroline Michel apporte la contradiction, parce que sinon vous êtes tous les trois d'accord. Merci. Je salue. Vous dites c'est une mauvaise proposition, d'accord, et sous-entendu que le système était parfait, qu'il ne fallait pas y toucher. Ce que je vous dis, c'est Eh bien, merci pour ce beau début de débat. Alors, on va continuer sur la politique, cette fois-ci au PS. Le débat d'hier soir entre les quatre candidats au poste de secrétaire général a-t-il fait bouger les lignes?